domnul Adam Luca de la ceremonie de lansament de sport scolar au niveau régional. Et pour ce faire, c'est l'école élémentaire Amatijan Bey qui a été choisie pour abriter cette cérémonie. Bien, certes, c'est une école au niveau du village de Ziguinchor, mais elle fait au nom de l'Académie de Ziguinchor. Pourquoi le sport scolaire? Je pense que l'État du Sénégal a pensé que le sport scolaire joue un rôle important, non seulement dans pour l'épanouissement des élèves, des enfants de manière générale, mais également pour la santé. Nous n'avons rien à apprendre. Tout le monde sait que le sport joue un rôle important dans la santé des enfants. Et l'un lié à l'autre, ça peut également avoir des conséquences positives par rapport aux enseignements d'apprentissage. Comme on a l'habitude de dire, on a dit un esprit sain dans un corps sain. Donc ces enfants-là qui s'épanouissent à travers le sport, ils peuvent également faire de bons résultats. Et si on parle sur le plan national, vous le savez, depuis dans les années 80, on ne parle plus de champions au Sénégal, en tout cas au niveau international. Au niveau international, on a vu ce qu'on appelle Ami Mbacké Thiam, qui a fait ses preuves. Si on demande à ces enfants-là aujourd'hui qui est Ami Mbacké Thiam, ils ne le connaissent pratiquement pas. Et je pense également à l'autre là-bas, qui a été, je crois, qui a eu la médaille d'argent dans l'athlétisme. Donc depuis que ces deux champions-là qui ont représenté et qui ont fait la fierté du Sénégal, le Sénégal n'a pas eu à placer vraiment de grands champions au niveau mondial. Et l'État a pensé vraiment qu'il faut faire des grands sportifs bien. Pour que le Sénégal puisse vraiment briller sur le plan national, il faut commencer par la base. Et cette base-là, c'est les enfants. Ce qui fait que presque depuis 3 ou 4 ans, l'État met un accent particulier sur le sport scolaire afin vraiment que des talents puissent éclore. Donc voilà quelques raisons qui font que nous sommes là aujourd'hui.